DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah, yeah. Bien, merci beaucoup. C'est encore un grand plaisir de nous retrouver ce matin. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo, le pays notamment de Maman Denise Nyakero qui est notre première dame, mais également le pays aussi de Maman Bobby Ladawa. C'est l'ancienne épouse du défunt Maréchal Mobutu. L'ancien président de la République qui est parti décédé au niveau du Maroc. La maman avait rencontré la première ministre, nous avons vu des photos, c'est quand même quelque chose de bien. On doit toujours honorer ceux qui ont existé, ceux qui ont servi la République d'une manière ou d'une autre, sauf ceux qui étaient des rebelles. Alors, je suis Monsieur Marabobola, je suis communicateur et analyste notamment des questions politiques, des questions liées au social et économie de notre pays. Nous sommes là pour la couper Sabino par information. Et c'est Ngo Isaïe, il sous ma casse yango moni lelo, nalati manette nangai ya veu clair, nalati ya vie claire, pardon, nalati cravate nangai ou ezali na moi ba ngola, na kati ya tache tache. Les alli pour na couper Sabino ba sango ba information et surtout que nous alli na très bonne nouvelle lelo na mokona lelo, mais avant d'annoncer Bino yango, recevez d'abord mes salutations, mais également soyez le bienvenu mesdames et messieurs et messieurs na émission Rabisso na mokona lelo. Alors je vous annonce aussi que hier le Real de Madrid a perdu par un score de 2-0 face à au Liverpool. Mbappé qu'on a connu, Mbappé n'est plus celui que nous avons connu au niveau du PSG. Alors beaucoup de fans notamment ou alors de supporters au niveau de Real Madrid pensent que Mbappé a perdu un peu ses qualités, Mbappé n'est plus au Bissotou Yebaki. Donc Kylian Mbappé passe quand même un moment très difficile et c'est important parce que Mbappé c'est aussi notre frère africain et Sengeli n'a Bissotou partagé ma douleur naïe. Et nous devons toujours penser que Mbappé va revenir quand même hein, na ma kambo etali bonne forme. Alors on nous informe aussi que nous sommes déjà aujourd'hui le 20, si je ne me trompe pas Max, nous sommes le 15e, nous sommes le 28 novembre, donc il nous reste au moins 2 ou 3 jours pour que toko manasuka ya ma kambo etali ya sanza ya zomina moko. Alors c'est parti avec notre actualité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons parler? Qu'est-ce que Marabobola a réservé pour les abonnés de Tango Koki na Lingara Bino Mingi? Na Lingi Bino Mingi. Même ceux qui me critiquent. Moi, j'aime d'ailleurs ceux qui me critiquent. Quand vous me critiquez, alors ça me donne l'opportunité de couper Sabino le souci à Kobongisa Moussala. Parce que Moussala, tout ça, ça les apprend à Bino. Alors, 3 sujets au Tosanango Lelo. Nous avons essayé un peu quand même à Kusangsayango et Indeli M23 RDF FC de Messenanga. Des éléments de l'armée rwandaise sous la couleur du M23 arrêtés dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo, au niveau des localités de Rouzaï. Ambongo salit le leadership de Kagame depuis la ville de Kigali où il est en mission à Ecclésiastique. Et pour le fini, nous allons clôturer par le peuple congolais attend la nouvelle constitution annoncée par le président de la République. Chers compatriotes, chers abonnés de Tango Koki, na pesibino lisusu, mbote tikaite tatanzambe azana mabota na bino, na pesibino lisusu boye molamu e boyoki molamu na masolo na biso na mukona lelo. Esengo ezali ya makasi penza mukona lelo, je suis très en forme aujourd'hui. Je pense que maman Mélanie aza kolanda biso na niveau ya Canada na pesio mbote maman Mélanie Nzambe apambola yon Nzambe ya fungola yo banzela pesa yo kimia. Alors des éléments ont été arrêtés aujourd'hui même. Des éléments du M23 arrêtés par le militaire notamment qu'on appelle par Nowazalendo. Des éléments sont arrêtés par non Wazalendo. Wana tozali na territoire ya Nyiragongo.
Je ne sais pas si la technique est avec nous dans Kosenga. Bape Sabiso, notamment ba photo Oyo, Topé si, y a ba militaire rwandais, Botala Yango, Binomoko, parce que tant que Koki, Topé Sarabino, ba information, tout ça que Lokota, na ba caniveau, tout ça que Lokota, na ba coin, ba venite, non. Tout ça que tant na biso, y a Koko, ta ko sa na ba recherche, ko landa ba information, ko ben ga ba services spéciaux, ko ben ga ba services à renseignement, y a ko sa la nyonso. Potopé Sabino, ba information pambate et edifié bino. Et puis toi analyser pour comprendre ma kamonenge za kokende. Alors, je ne sais pas si la technique est avec nous. Max, est-ce que ça va? Ça va de votre côté là-bas parce que je ne vais pas évoluer sans que ba abonné à tango koki. Ba mona nanu, ba soda oyo. De Rwandais arrêté na niveau ya territoire ya Nyiragongo. Les compatriotes qui pensent que les FRDC aza ko sa musalate. Et que Tobanda qui toujours correspectait cesser les faits, je dois ici nous avouer que la force armée de la République démocratique du Congo, qu'on appelle notre armée, l'armée la plus puissante au monde, lorsque Naza Kolobaye que Tozali est l'armée la plus puissante au monde, ce n'est pas parce que Boza Koyokae que Nanga a créé une rébellion, ce n'est pas parce que Boza Koyokae que les M23 sont au niveau de Bunagana. Oui, bisonyo soto ebie ke banguna na biso baza na Bunagana. Mais bazali wana eza ba Rwanda bango mokote. Les Rwandais sont soutenus par les forces ou ezali les forces internationales. Alors, la technique me signale déjà les militaires boza komona, ce sont les militaires notamment oyo babengi bango ezali ya ba militaires rwandais. Teni boza komona ezali teni oyo ezali ya ba force négative. Dans plein les informations ba yebisi biso que ezali ba militaire ezali teni oyo ezali ya ba Burundais. Mais pourquoi la teni de Burundais et se retrouver dans zoto ya ba Rwandais? Parce que bilongi ya batuana o boza komona. Je pense que la technique avec Max, le nouveau technicien, le nouveau l'homme intelligent de notre chaîne de Tango Koki. Alors, Azan Nabiso, ba teni boza komona ezali ba militaire burundais. O ba yaki na cadre ya opération ya SADC, ya Sami DRC. Les Burundais sont arrivés dans notre pays, sur notre territoire, c'était officiellement. Le chef de l'État, dans sa politique, ya ko pacifier est République démocratique du Congo. Nde akenda ki na sur le plan diplomatique, akenda komona na ba responsable, ya force ya SADC, akenda komona na Sassou, ake akutani na João Lourenço, le président angolais, le chef de l'État Zala ki pe na Cyril Ramaphosa, o yazali président en exercice ya niveau ya Afrique du Sud, ba solo li na ye, et ce n'est que après ba leva ki option, ya koti na ba militaire, ya Sami Dier na compte ya opération, Sami Dier si ya SADC pour na koluka ko appuyer FRDC et puis ko bengana ba militaire ya M23 na mabele ya Congo. Mais le col la banguna balala kate. Ba militaire boza komona wana cher compatriote, ce sont des militaires rwandais. Ba kei ko yi ba teni o ezali ya ba burundais. Ba lati yango pour na ko kende ko sala dissimulation et puis ko kende ko sala o ba bengi en clairvoyance. Ce sont des éclairés. Oh, bazali na compte, ya ba M23, RDF, et puis Alliance Fleuve Congo, ya Messe le Rebelle, Messe Nanga. Ba kei, ba komi, wapi. Ba kangi bango na Ruzaya. Ruzaya, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Non, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Excusez-moi, chers compatriotes, chers abonnés. De place, ba kei, ko kanga bango. Ba kangi bango na kanti ya kan. Oyo baza kobenga, excusez-moi si vous êtes avec moi dans un camp, bon bambo kango pe ezana est ezana moi ba kombo moko compliqué, bon to luka un peu to ye ba soki kawana ezana mboka nini parce que nanzwa ki information penza ya malamu je pense que c'est le camp, il s'agit notamment le déplacé de guerre na niveau ya Kanyarushina. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu, au niveau du territoire de Nyiragongo. Ce sont les déplacés de guerre à niveau ya Kanyarushina. Kanyarushina. Alors, on a arrêté ces militaires que vous êtes en train de voir.
Les Ouazalendes sont arrivés avec le service de sécurité, avec le service de renseignement militaire. Ils ont trouvé qu'il y a deux suspects qui sont parmi les déplacés de guerre. Et ils sont en train de circuler là où il y a des femmes. Et d'après les informations, bango ba kenai ko kota mo place oyoyo bandeko ba bengaka comment les appelle dans un bon français, on les appelle comment, les professionnels de sexe, hein, dans un français aussi, dans un jargon plus facile, on les appelle les prostituées. Donc ba ken ko kanga bango place bandumba bazalaka les militaires rwandais ba kei ko yi ba teni o ezali ya ba burundais, ba militaires burundais, parce que ce rotali teni wana c'est pour la force burundaise. Alors, le ko la bango ba kenda ki kuna, ba ke ba yibi teni wana, ba lati, parce que ba ye bien que la mission de samedi hier, si c'est une mission officielle. Oyo ba force burundaise ba kota ki na Congo, et tango ba koti ezala ki officiellement. Et que le FRDC, na ba wazale no baza sensé, ya koye ba teni nyonso. Oyo ba zali ya ba collaborateur, ya ba force, oyo ba zali ko collaborer na bango. Aujourd'hui même, va tenir Zala qui a EAC. Lorsque vous avez une mission militaire, ou ba militaire ba yena katambo kanabino, et que non bazali ko collaborer na ba FRDC, la force de sécurité na makambotali stratégie ya ba guerre, na ba stratégie militaire, na makambotali ba ya sécurité, bozali censé ya koyeba ba soda ba ou bazali ko collaborer na bino. Même tenir ba Monusco et sengeli FRDC ayeba yango. Aujourd'hui tenir ba to bazaki na force ya EAC esengeli ayeba. Mais le ko la bango ba comprendre que Kagame azali toujours moto atambola kana lokuta azamu to lukaka ko kweisa toujours masumu likolo ya Tshisekedi batindi deux militaires rwandais na compte ya M23 ba kei ba yibi ba tenir ba militaire ya ba force burundaise. Oye baza na konti ya misyo ya samedi RC, nde ba keyi na niveau na Kinya Rushina na territoire ya Nyiragongo, wana tozali penza na niveau ya lokalite ya Ruzaya, nde ba keyi kukanga bango. Wazalendo atye maboko na service ya renseignement militaire. Baza kotu na bango simple, bino boza ba nani, baza koye beloko wa kolobate. Swahili na munoko izate, Français na munoko izate, Anglais na munoko izate, baza kolobaka kanini Kinya Rwanda. Alors, tozwa ki video moko na ebite, soki les techniciens sont avec nous, je pense que toko sa la effort, ton ka video on a totin de la bino yango, et comme ce sont des vidéos très sensibles, je pense que bobe nganga na privé, na routine de la bino video wana. Appelez-moi sur plus 243 84 26 76 238, numéro ya marabo bola ya privé ya ngwana soko bengi ngai okozwa ngai directement plus 243 84 26 76 238. Alors nakope sa yo vidéo otala ndenge bakangi bango na mwasi moko o bango baloba keke baye bazaki na posa bazwa mwa ndeko moko ya mwasi basala ndenge boyebi wana. Alors nde baye kokanga bango baza koloba ni anglais, baza bayebi swahili te, bayebi français te, bayebi arabe te. Nde bomo na bango wana bayebi kaka munoko na bango babengi Kinya Rwanda. Alors lorsque on arrête les militaires avec les tenues de burundais, c'est-à-dire que la tenue burundaise a servi seulement de ce qu'on appelle une dissuasion. En réalité, ce ne sont pas les militaires burundais, parce que la force burundaise au hasard compte ya et ya samedi hier si na compte ya SADC, les FRDC service à renseignement même bawazalendo bayebi bango bakoki ko kende ko kanga bango te. Donc bandeko bazako lo baye ke bazali ba force burundaise, c'est faux, ce sont des M23 oyo bakenda ki pona ko luka ko kozwa ba information ya ba FRDC, kozwa ba information ya ba wazalendo ba mema yango na quartier général oyo ezali ya ba M23 po ba luka suko moya ya ko frappe. Chers compatriotes, na pesi bino numéro na ngai moyen totinda vidéo wana na niveau ya chaîne ezate, parce que c'est tellement sensible bo benga ngai en privé na routine de la bino ba vidéo wana nande ko ya mwasi oyo aza ndeko na biso congolaise oyo bazuye na bango ye pa za ko pesa témoignage na bango bazoko kwa kolobate
Donc, ce sont des forces négatives. Alors, je me pose une question, chers compatriotes. Batuya modèle ya boye. Batuya modèle ya boye. Est-ce qu'il faut tolimbi sabango? Batuya modèle ya boye. Est-ce que nous devons les pardonner? Que dit les principes de sécurité? Lorsque nous sommes dans un pays et nous sommes dans un état de siège, nous sommes agressés par un voisin. Qu'est dit le principe sur la sécurité? Que lorsque vous mettez la main sur les personnes suspectes, sur les éclairés, sur les personnes qui travaillent, notamment pour les comptes des ennemis, Mibeko ezali kolobanini. Il faut basambi sabango, il faut bayoka bango, et puis sur les aya solo. Et Sengeli, Baluka Moyen, va condamner Bango à mort, ou soit, va pendre Bango. Je crois que tout ça, qui n'a projet Moro et Zali, Makambo et Tali, le moratoire, pardon, sur la peine de mort. Mais Mibeko Wana, Ndenge Babimisa Kiyango, Naba Sandouk ou Nabiso. Bazwa Mibeko Wana, Batuya modèle ya boue. Boumatisi Bango na Ngalangala. Boumatisi Bango na Ngalangala, Boubengi population. Bobengi ensemble la population. Bobengi batunyoso. Service à renseignement. Service à sécurité. Il y a la police. Ba chef coutumier. Bobengi ba notable. Bobengi ba population nyoso na ba autochtone. Bomatisi bango likola ingalangala. Bobeta bango ma sa cité. Bote bango singala kingo. Après bo pandre bango. Tango bako koufa. Bo kunda bango te, bo zwanzoto na bango, bo kende bo pesa yango, ba benga ba usu na zamba, ba nyama ya Kongo, ba liya bango. Komsa, tango nyama ya Kongo ako liya bango, eko permetre ke, lion na biso, lukola tuza na ba raso zaka inikima epa na biso, tuza lukola na ba okapi, tuza lukola na ba bonobo. Est-ce que batu so motako bonoba liaka moto te bonoba liaka moto te mais beaucoup ça la bango penda viande bo sali bango bo pesi bango okapi ali ya bango ata okapi aza carnivore te okapi ali ya ye bo pesi bango ours bo pesi bango ba lion ono okapi aza herbivore oui okapi aza herbivore toyebi toyebi yango. Mais na kantikaka kanda lokole leki to pesi bango o kapiali ya bango comme ça o kapiali ya munene et permettre que ba touriste soki ba ya ba kuta o kapi na biso azar bonne santé mbongo ekota na domaine ya makambo itali tourisme et puis eko permettre biso to sa nini to kota mbongo na makambo itali croissance économique na biso. Donc les gens qui disent que bazali ba militaire na compte ya samedi hier, si c'est faux teni wana ba yiba ki angonde ko yiba. Alors vous comprenez comment l'ennemi est en train de travailler. Baza ko kende ko yiba ba teni ya bato ba lati ba ye ba koti parmi bino population baza ko zo ba information wono ko yoka ba wazaleno ba vanda rawapi balaksi bango quartier général ba wazaleno balaksi bango commandant ya FRDC awawa na Nyiragongo izanani ote eza moto hotel. Est-ce que okola kisabiso place azali ba zumbongo ba pesi ba kei parce que ndenge bayaka ils viennent très organisés, chers compatriotes. Bayaka très organisé. Bayaka na mbongo. Surtout mbongo bazanga mbongo te. Parce que bayebi ke so babimisi mbongo. Loko la vidéo na zalango. Ndeko wana ya mwasi bako opesa ye même $100. Déjà na ba province loko la ba Ituri. Na ba province loko la Nord Kivu, na ba Nyiragongo, na ba village na ba localité kuna. Opesi moto $100 eza na valeur ya 285 000 francs congolais. Eza mbongo ebele. Bako opesa ye $100. Moutou an a soukwa koumi go laksa bango ndako yaba genero. A koumou laksa bango komanda ya opération. Oyoyo azali kota la maga moutali routure ya FRDC. A laksi numéro 1 ya responsable ya renseignement militaire. A laksi numéro 1 ya ANE. A laksi numéro 1 ya DGM. A laksi. Parce que c'est comme ça. Ndeo koumou na eke. Mikoleza koya. Boyo kye ke ba frappe Nyiragongo. Boyo kye ke l'ensemble ya territoire Nyiragongo. Ezali sou na mambo koya FRDC te. Et c'est comme ça que on va opérer. Et Kagame azama kasi na ba système oyo. Les ennemis azama kasi na bazama kasi na ba biloko modèle. Donc esa information oyo tolinga to pesa bino. Alors chers compatriotes,
abonné de Tango Koki. Batu ya modèle ya bo, tout ça la bango nini. Parce que pour nanga mara bobo la, ba pandre bango, ba zui bango, ba boaki bango na zamba, ba ours congolais, eh, ba lion congolais, il participe à ta okapi alia kanyamate, ba pesa yepe kaka, mosuniwana lia. Comme ça, ba bonobo na biso ba koza la bonne santé, tant que ba touriste ba koya, ba kouta ba bonobo na biso, na ba okapi, na ba ours na biso, ba zali minene. Et permettre bango ba sa nini ba ya minene po ba touriste ba ya batala bango ba mona pesa ke ah touriste wa ya ki année passée tango wa koya li susu akuta bi ah mais le capi a pris du poids la fois passée quand j'étais venu il n'avait pas ses poids aujourd'hui il pèse combien de kilos ba il sait que non le capi avait 85 kilos mais maintenant après une année aujourd'hui là pour le moment il commence il pèse maintenant 120 kilos. Alors les restes ba kilo na ezali ba to yoyo ba bomi oyo ba pesi ba nyama na biso ba le yango ba kepe na zo ba tali na ah lion komi munene bo gepara komi munene lion komi munene le par komi munene pona nini pona ba to modele oyo voilà les formations oyo tozala ki nango pona kopé sabino na makambo etali notre technicien soki akoy ko aider biso makambo etali guerre ya est ya ngwana. Mais une autre bonne nouvelle excusez-moi Max KBC excusez-moi on nous signale que les FRDC ba kei bongo ko récupérer ce qu'on appelle une localité excusez-moi Bolanda s'il vous plaît Bolanda parce que biso na koloba makambo avec la précision koloba teke ah marabobo la information ngaki pembeni te yo penza ozo ya na chaîne oza prête te tozala après seulement que technique ezana ma réalité nango alors tokoy ko pesa bino ba information ezali ya bambangu mbangu te il faut to pesa bino ba information o ezali ya solo flash info le village Mera dans les Walikale les Apeti vient d'être récupéré par nos FRDC sous une forte pluie. C'est dans ce village que les terroristes RDF avaient brûlé 20 maisons quelques jours passés. Ils ont été encerclés et assiégés et maintenant ils viennent de céder ce village. Bravo à nos Azaleno. Alors, notre technicien va nous aider. Alors, Wana Ezali village Yamiera. Tozali na localité, na territoire Yawalikale. Vous semblez déjà comprendre que les FRDC bazongeli musala. FRDC bazongeli musala bazali ko beta donc bazako yoka mawate. FRDC azako panzaza ko beta nyoso ezalaki a Congo il faut ba récupérer yango. Alors là les FRDC ont récupéré. Dans le jour passé, je ne sais pas si j'avais y a parlé de ça. Ba wazalendo bakendei ko tumba au moins plus de 20 maisons. Le kola bayaki na village ya Mira. Ba moni eke loko wakuzo ezate ma minere ezate ba tunyoso na zamba pe eloko ezate ba tumba ki 20 maison ba kei ba tie ba siège na bango ba vandi alo le FRDC tolo ba awa le FRDC ba récupérer bango ba frappe bango ba panzani awa tolo ba le village ya Mira na territoire ya Walikale eza sous le contrôle de FRDC. Vous qui pensez que le FRDC ne travaille pas, vous qui pensez que le Wazalendo soit affaibli, vous qui pensez que l'armée congolaise est l'armée la plus faible, non. Tozali na armée moko ezali la plus puissante au monde. Tozali plus de 20 ans avec les FRDC sous l'embargo. Tozali maramindu kite. Mais tozali toujours ko garder ba territoire na biso. Ba soda na biso baza toujours ko bunda. Bravo à nos FRDC. Tozali plus de 30 ans. Ya makambo etali agression rwandaise. Mais les FRDC baza toujours ko bunda. Na infiltration eza na kati ya FRDC na trahison na kolia kambongo ya basoda malgré salaire o baza ko pesa bango mais no FRDC baza toujours na terrain pona kobunda. Aujourd'hui je voulais remercier nos compatriotes de Wazalendo et mais aussi nos forces armées de la République démocratique du Congo qui font un travail remarquable. Sous l'embargo pendant plus de 20 ans, les FRDC ont tenu et ils sont toujours en train de défendre l'intégrité territoriale. Pendant 30 ans, une agression qui a traîné pendant 30 ans. Aujourd'hui, les M23 ne sont plus les M23, ce sont plutôt
l'armée rwandaise qui est en train d'opérer sur le sol congolais. Même s'ils sont appuyés par la puissance européenne, par la puissance des multinationales, en donnant des moyens à Kagame afin de pouvoir piller les ressources de la République démocratique du Congo, les FARDC sont toujours là en train de protéger nos territoires, en train de soutenir ce qu'on appelle les commandants suprêmes. Donc aujourd'hui, je voulais rendre hommage à ces militaires qui sont dans les fronts, qui sont en train de combattre pour les comptes de la République démocratique du Congo. Malgré le mauvais salaire, malgré l'infiltration, malgré la trahison, malgré les FARDC se tiennent toujours. Alors moi, Marabo Bobola, je ne peux que le féliciter. Nos vrais militaires, je ne parle pas de ces généraux-là qui boufferaient l'argent des FARDC. Je ne parle pas de ceux qui trahissent notre armée. Je ne parle pas de ceux qui collaborent avec le M23. Je ne parle pas de ceux qui bouffent l'argent de Kagame. Je parle de nos généraux qui sont fidèles au commandant suprême, les présidents de la République. Je parle de ces militaires qui sont en train d'exécuter les ordres qui sont en train de venir, la hiérarchie, notamment de la base logistique, mais également du commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo le bela soda wana oyoyo na bambula azako katisa bibale azako katisa bamai azako kumba ndeko na eba betie masasi nazo le bela médecin militaire oyo na kati ya zamba malgré ba produit pharmaceutique ya malamu ezate mais médecin militaire oyo andimi ko travailler na compte ya FARDC nazo le bela mama oyo alambela ka ba soda mama andima ba futa ka ye même te même pas pendant 2 mois 3 mois zora mbongo te ata bo futa ka ye mabe mais mama o ya ndima ko lambe la ba militaire na camp ya ba deplé nini ya na ba camp ya ba guerre naza ko féliciter ba mécanicien oyo ba travailler ka na compte ya FARDC naza ko féliciter ba psychologue oyo ba za ko travailler pour na ko renforcer morale ya ba militaire na biso. Et à la fin, naza ko féliciter ma service à renseignement militaire Nabiso. Boza ebele, ngai marabo bola au nom notamment ya Musala toza ko sala sima ya commandant suprême na pesi bino ba félicitations. Biso peuple congolais toza sima ya FARDC, toza sima ba wazalendo, toza sima na bino mabele na biso ekendete. Munguna kotate. Alors voilà. Alors chers compatriotes toza ko évoluer na information Nabiso mokona lelo. Na bosalité, mon général Chiko Titambwe. Mon général Chiko Titambwe. Naza ko pesa yo ba félicitations. Mon général Camille Bombele, na pesa yo ba félicitations. Mon général le numéro 2, ya garde républicaine, na pesa yo pe ba félicitations. Le général Christian Tiwewe, na pesa yo ba félicitations. Alors, toza ko kota na deuxième sujet na biso. Nous passons que le cardinal Ambongo a kendaki na niveau ya Kigali, chers compatriotes. Biso tout au moni bilili, a kei, a sali ma kambonae ya bonzambe. Moi, en tant qu'un chrétien, je ne peux qu'applaudir et demander au Seigneur de donner et pas na cardinal makasi pour na kote ya bana na nzambe. Na koki toujours ko senga na nzambe. Apesa ambongo makasi pour la côté ya bana na nzambe. Mais je pense que makambo oyo cardinal a lobby na niveau ya Kigali. Cardinal a loué leadership o ezali ya Kagame. Yo kay loko cardinal a lobby s'il vous plaît. Cardinal a lobby Cardinal a lobby la azali flatté par la bonne gouvernance ya Mese Kagame. O ezali gouvernance mo ezali transformationnel. Cardinal Alobi, le leadership de Mese Kagame, c'est un leadership clairvoyant, visionnaire et stratège. Là c'est Cardinal Motalobi yango. Cardinal nani? Cardinal Ambongo. Ozo mon entend toza ko lobaye ke faire la politique de la haine eza eloko ya mabe oyeb sanga ya marabo bola. Est-ce que cardinal a commis peu ça la politique? Oui, depuis la nuit des temps l'église a été toujours partenaire de l'État.
Et d'ailleurs, parmi les pouvoirs suprêmes dans le monde, nous avons aussi les églises, nous avons les États, nous avons le multinational, ceux qui ont des pouvoirs financiers, mais nous avons aussi les religieux. Et parmi ces pouvoirs, au Congo, tous appellent à ma pouvoir ya bongo. Tous alignent à l'État. L'État qui est un ensemble, notamment, qui est une juridiction, l'État qui est une organisation, et l'État qui est une société. Mais dans la société, tous ont coup d'appel ma mangomba. Cette fois-là, le cardinal Ambongo, qui représente l'Église catholique ici, qu'on appelle le Saint-Siège au Congo. C'est lui le patron de l'administration de l'Église catholique. Le représentant de l'Église catholique du Saint-Siège au Congo, c'est le cardinal Ambongo. Il y a eu un contrat Oyobasinya entre l'Église catholique et l'État congolais. Quand je parle de l'Église catholique, je vois le Saint-Siège. Que disait cet accord? Et jusqu'à aujourd'hui, cet accord est en vigueur. Que personne n'a le pouvoir, personne n'a ce qu'on appelle les prérogatives d'entrer sur l'intérêt de l'autre. Ça, c'est une déduction dans ça pour nous faire comprendre. Bino, que tant que l'État, l'Église a cotaté. Attends, tu sais qu'il y a lancé gratuité et enseignement. Les cardinals ont censé être à Kokota, tu sais qu'il y a au sali en haut, au sali ma bé. Non. Et lorsque les cardinals peuvent se rendre à niveau à Kigali, le président congolais, alors l'État congolais, a coquille coquende copé qui ça a été. Mes chers compatriotes, mais tout à l'heure, ce comportement, il y a cardinal Ambongo. Vis-à-vis d'un régime en place. Vous voyez, il y a un régime en place. Vous voyez, il y a un régime en place. Il y a donc, et comme il y a une habitude, et comme il y a une coutume, et comme il y a une tradition, malheureusement, ils ont profité de la bisauté. Quand on a critiqué le chef de l'État, awa, que le président hein, a concentré énergie na yeye, pour le makamoutali changement de la constitution, au lieu et place, il a créé un emploi pour que les jeunes ne soient pas mis ça. Il a dit que le chef de l'État a sali depuis Azubo Kunzi, pour la jeunesse congolaise. Dans le domaine de l'éducation, le chef de l'État a sali gratuité et enseignement. Ce sont des jeunes. Même si c'est une gratuité, ils allient éducation de base. Ce sont aussi des jeunes. Parce que jeunesse, ils allient tranche d'âge. Kobanda 0, tu kokoma 30, 35, 40, voire à la limite. Gratuité et enseignement pour la jeunesse. Les présidents de la République, à travers sa bonne volonté, les gouvernements, ba créo ba bengaka, transacadémia. Kosunga jeunesse, ba étudiant, ba zwaka ba bis, net ba max, ninga ba banayi kotanga, azui bis, place avant na gana tiangu, aye akiti na izes, azuko na ye sili, bis eza wana amati azongi. La mobilité, le président sali ango, pona ba étudiant. Na makambo etali ba construction, le chef de l'État kei na homme, homme o ezala ki a université à Kinshasa, o homme Kabila tika, akipa yango koutoute pendant 18 ans au pouvoir. Moi, j'ai failli perdre ma jambe gauche dans homme 20, non, non, homme 10. Na utaku, na zongi ka bo ebi nengi ba étudiant to zalaki, na zane loko akoli ate, il fallait na kendo luka soki loso soki loko ni na lamba. Na ba kouloa wana, ba kouloa wana o ezalaki ya, ya ba homme wana. Alors, ezaki na mabulu mongo ezalaki wana, ba bandaye kozwa soki mouto alambi a zui salite na ya boaki na kati. Nga na ebarate, le kolona nga ya gauche, cher compatriote, cher abonné. Na zindi sa yango na kati ya libulu wana. Mama moko azalaki wandi mama na yaka kobenda ngai. Na zaka oblige na soma loso, na soma na makala paske courant azalaka te, na kende kolamba na lia. Paske toute la journée na utaka kou na université. Mais aujourd'hui kende kota la home ya université ya Kinshasa. Okanisa ke oza na Maroc, okanisa ke oza na Tunisie. Le président apesi oba bengaka, sous son régime, ma réhabilité. Hein. Bâtiment où babengi ya université ya IPEN, pédagogique nationale. C'est bâtiment Kabila Kouta yango atika yango. Même ta peinture ya pamba bo batia te kaka peinture oyo ba belge batika. Le président de la République ya ye, ma réhabilité bâtiment wana, akendaki a inauguré yango.
Le chef de l'État a créé un niveau à INBTP, a inauguré bâtiment. Dans l'université, sur le plan de la communication, les étudiants ont sur Internet, Wi-Fi. Ok, bonjour, téléphone, au côté de Wi-Fi, à Ophélé. Oh, tu tiens à mon abanda, qu'on a vu, il faut moyenner quelque chose. Le régime de Tshisekedi, il y a étudiants, il y a Internet. Il y a autant d'Internet. Aujourd'hui, les étudiants ont autant d'Internet. Il y a un bis, il y a gratuité et enseignement. Et Mikoloza, il y a peut-être une bourse d'études. Maman Denise Nyakeru, na projet na ye o ba benga excellence ya fondation ma, Denise Nyakeru Tshisekedi ba lancer ba benga projet excellence ya ba jeune diplômé o ba boti bazana ba moyenté à travers la fondation Denise Nyakeru ba zozo bango ba otinda bango na poto ba gende kotanga. Chers compatriotes, tout ça ce n'est pas la jeunesse nyonso wana o ba sali na période ya Tshisekedi esa jeunesse te. Na kana nga baza tonga université. Na mbujuma y baza kotonga université. Même l'université de Mbandaka. Est-ce que c'est le chef de l'État? Il faut zonga lusukuna. A zwa mabanga ba na kotonga université. Mais il doit rappeler. Ezali monsala oyo. Ba conseiller na ye. Na ministère censé baza censé. Na gouvernement. Non, le président de la République y a laka ki ba étudiant université na Mbandaka. Ba kende kotonga. Chers compatriotes, les loyaux, Ambongo, Natangi Biloko, on a pas encore l'accepté que le président n'a pas abandonné la jeunesse. Et j'ai fait ces histoires pour encore l'accepté que Ambongo a zako loué leadership yanani ya Kagame. Mais le leadership de Kagame est vendu sur le sang des Congolais. Qui ne sait pas que le leadership de Kagame c'était leadership qui est assis sur le sang des Congolais. C'est à travers les pillages. C'est à travers la surexploitation des matières premières de la République démocratique du Congo que M. Kagame est en train notamment d'avoir la possibilité d'avoir les moyens financiers afin de pouvoir construire son pays. Le leadership de Kagame, c'est un leadership hypocrite. C'est un leadership qui est assis sur les hostilités, qui est assis sur le terrorisme. Ce que font les M23. Mais c'est sous les labels, sous la vision de M. Kagame. Est-ce que le canal Ambongo ne sait pas que la présence de militaires du M23 sur le sol congolais, mais c'est pour pouvoir donner les moyens financiers à travers le pillage des ressources naturelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le canal Ambongo ne sait pas que les M23 sont en train de travailler pour les comptes du Rwanda? Est-ce que les canal Ambongo ne sait pas que les 12 millions de victimes que nous avons aujourd'hui dans notre pays, nous avons perdu plus de 12 millions d'âmes de Congolais, des femmes et des enfants, des filles, pourquoi pas de papa. C'est à cause du leadership de Kagame. Est-ce qu'Ambongo ne sait pas que les déplacés de guerre qui sont à Nyiragongo, qui sont à Goma, dans les camps de Mugunga, c'est à cause du leadership de Kagame? Est-ce qu'Ambongo ne sait pas que 20 ans, notamment d'agression rwandaise, mais c'est à cause du leadership de Kagame? Est-ce qu'Ambongo ne sait pas qu'aujourd'hui, Corneille Nangaa a créé l'Alliance Fleuve Congo afin de faire la pression sur Kinshasa pour que Tshisekedi puisse respecter les accords que Kabila avait signés avec les M23 le 23 mars 2009 sous la médiation notamment de l'ancien président nigérien Obasanjo avec la représentation notamment de Raymond Tshibanda. De notre côté, est-ce qu'il ne sait pas que c'est sous le leadership de Kagame? Est-ce que je dois rappeler tout ça? Si aujourd'hui le chef de l'État a décidé il y a qu'au quatre cordons ombilical entre le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo sur le plan des collaborations, c'est à cause il y a leadership, il y a Kagame, il y a qu'au Kendeko Tinda, Batoup Naye sur le sol congolais. Si nous avons le processus de Luanda aujourd'hui sous la médiation de João Lourenço qui a délégué son ministre des questions extérieures, mais c'est à cause du leadership de Kagame au exact au salaire que bas militaire rwandais base à la nation congolais. Si le chef de l'État a signé les différents accords, il y a EAC, il y a Sami DRC, il y a mutualisation entre les UPDF, il y a Makambo Nyonso au bas soldat basa koya na est, mais c'est à cause du leadership de Kagame au exact au salaire que terrorisme est à la est. Mais s'il vous plaît, nous parlons de quoi?
À un moment donné, on doit être sérieux. À un moment donné, nous devons pas faire les choses par les sentiments. Est-ce que ma personne qui a un bon on a na niveau ya Kigali pour épouser que nous globalement bilo koyabo. To boité, le cardinal pouvait aller à la limite prêcher la bonne nouvelle, le cardinal. À la limite prêcher la bonne nouvelle, on pouvait aussi attendre que Kagame a été baptisé par le cardinal Ambongo lors de son passage au niveau du Rwanda et que Ambongo a prodigué à M. Kagame, qui est le sanguinaire, de lui demander d'arrêter de soutenir les M23. Et on pouvait aussi attendre que M. Kagame accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur à travers le passage du cardinal Ambongo au niveau du Rwanda. On pouvait aussi entendre que les militaires du M23 ont été baptisés. Mais attendre que la gouvernance du Rwanda de M. Kagame, c'est un leadership ou alors c'est une gouvernance qui doit être un modèle pour certains leaders africains par le cardinal Ambongo. Alors, moi, Mara Bobo, là, je pense que le cardinal a agi vraiment comme un homme et non comme un serviteur de Dieu. Parce que l'Église a une mission d'être au centre ou alors d'être comme un village, au milieu du village. L'Église doit appeler tout le monde à la raison. La raison, c'est quoi? Si nous voulons la paix, nous voulons la stabilité afin de construire nos deux pays. L'Afrique, nous souffrons beaucoup. Bande Kunangai. Pauvreté est en Afrique. Nzala est en Afrique. Koli est passé. Kolala est passé. Il y a des familles, même place à Kolala. Mbeto est en Moutoumo Kolala. Baholala, nous 4 personnes. Ndako est en Moutoumo Kolala. Studio est en Moutoumo Kolala. Baholala, 4-5. Mais est-ce que Cardinal a bien voté? Donc moi personnellement, louer le leadership y a Kagame par le canal Ambongo, non. En tout cas, ce n'était pas bien réfléchi. Il fallait qu'on loue autre chose. Il fallait prêcher sur la réconciliation. Il fallait prêcher sur le pardon. Il fallait prêcher sur la convivialité. Il fallait prêcher sur l'unité. Il fallait prêcher sur la réconciliation. Il fallait prêcher sur le développement. Il fallait prêcher sur l'avantage de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Voilà au moins les prédications que le canal aurait choisi pour la côté à niveau à Rwanda. Canal à Bangeliwa. Alors, chers compatriotes, tous allez évoluer. Je crois que tous qui ne malaient, mais ne soyez pas trop durs envers moi. Je suis aussi un chrétien comme vous. Nazali n'a problème de canal à Mbongo, seulement que nous sommes des politiques et lorsque nous défendons les régimes, tous ceux qui peuvent venir yako attaquer le régime Nabiso, franchement, tous en a obligation yako défendre le régime Nabiso. Sans les attaques, sans les critiques dans les mauvais sens, avec amour, avec patriotisme, nana yiné à Mbongo, mais seulement la pratique d'Mbongo est dans ces pays dans Mbongo. Mutumoka komeli ngami marabobo la ambongo azung sa jeep au président pesakai. Non, ça c'est trop. Toti ke liye jeep wana. Mais balobaka ngona le poto ke mente, il reste toujours quelque chose. Alors, chers compatriotes, na ngana sala analyse moko atay a 2 3 4 minutes. Soki Max a roupé sa ngai temps. Max KBC, est-ce que je peux avancer? Merci beaucoup. Na ngana sala analyse moko muke c'est sur la vision au chef de l'État azui ya koluka ko changer constitution alors ko réviser. Chers compatriotes, biso yo sotoye bien que mutu nyonso na bomoto na ye soki ya botami akolaka quelque part. Si ce que dit le fils a botami na makolo ya papa na ye, si ce que dit le père qui est mon mentor, qui est mon modèle na makambo etali politique, ya si ce que dit ya Lumumba. Ce sont les aba combo ya ba indépendantiste ba balinga somi ba balingi démocratie et le père tient ce que dans le bagage que il dépense sur tous pouvoir donc changer constitution. 2011 le père a été voté massivement mais Kabila ningai copé ça y est pouvoir wanati ba proclama qui était ba qui ko proclamer élection na kati ya char na kati ya bibundeli ya makasi Bakéi, qu'on proclame élection à Katiwana. Awa, chef de l'État, a eu volonté. Il a changé la constitution. Est-ce qu'ils allaient pendant qu'on aurait testament à papa naïe?
ou bien seulement par les soucis à couper ça. Peuple congolais, République démocratique du Congo, constitution ya sika. À mon humble avis, je crois qu'ils allient tous les deux. D'un côté, c'est pour honorer les testaments ou alors la parole de son papa qui était d'ailleurs son mentor politique, mais également son modèle politique comme Tshisekédiste aussi. Parce que Fatou est né avec les noms et les sangs de Tshisekedi. Ce n'est pas le Tshisekedi des pères qui était né avec le nom de Fatou. Non. Il faut tout comprendre. Alors, de l'autre côté, Azo Salango étant congolais, après avoir recueilli ma information, Nyonso, professeur Essambo aujourd'hui, Azali numéro 1, il y a Magamou Itali Sécurité, il y a le Conseil national de la sécurité CNSS. C'est lui qui est le responsable là-bas. Alors, professeur Essambo, Aza parmi Batu Oyo, Basalaka rédaction, il y a Constitution, la vie chers compatriotes. Professeur Essambo, professeur Bob Kabamba, professeur Banyaku, ils sont moins à 4 ou à 5 comme ça. Chers compatriotes, tout ça qui a évolué. Là, on a fait une brève histoire. On a fait une analyse par rapport à la démarche au chef de l'État. Idem au Kozamo Kapesi pour tout ça, le changement ou révision de la Constitution. Et il s'est fait que le président de la République a rédigé par information. A tout le monde, la Constitution où il y a une irrégularité. Il y a ici une Constitution où il y a d'abord. Ils allaient constituer par Salango dans l'Ibanda Mboka. Les Belges, les Français, les Anglais et consorts. Bref, le membre de l'Union européenne, au Bazalaga na intérêt na Congo, ne Bazwaka Mokano, basa la constitution, au Kotambusa, le régime de 1 plus 4. Et vous voyez bien que le régime à 1 plus 4, ils allaient régime Oyo, tant que Tozala qui n'a pas rébellion, Mobutu Akufi. Musée Aye à Zubokonzi. Musée de son vivant, il y avait des rébellions. Ben Bazalaki na nord-est. Nord-ouest, il y a Congo. LCD, Azalaki na partie est. Artisaïd Ngo, Mazalaki quelque part. Donc le pays était démembré. Le pays était subdivisé. Donc chaque mouvement rebelle a banayu ko géré parti na ye. Et alors, les impérialistes. Ba keko réfléchi ba lobi et singeli to sang sabato yo ba jere mboka. Le kolo ba uta ko boma muse nde ba keko zoa entre guillemets le fils de muse o ezali Joseph Kabila ba pesie bokonzi. Nde ba eko benga ba bemba ba bengi ba tuana nyonso to kene na dialogue inter congolais. À l'époque président de la République nani Joseph Kabila Kabange. Bemba vandi Zaïd Ngoma vandi Azaras Rubero Avandi et puis Moussus Zalaki Nani Bazaki au moins 4 personnes Bemba, Zaïd Ngoma, Azaras Rubero na Moussus Zalaki Nani. Je rappelle, ça va venir. Alors, s'occuper de nous, beaucoup de temps dans ma commentaire. Chers compatriotes, Kouta na bango kuna, déjà tant que vous solo là, il y avait déjà une constitution Zalaki. Bazui, exemple Moko, Bapesi Bemba. Bazou exemple Moussous, Bapesi Zaïd Ngoma. Bazou exemple Moussous, Bapesi Azarias Rubero. Et Bazou exemple Moussous, Bapesi Bambouissa Yamous, Naba Tounion, Sobazara qui va chef ou rebelle. Et ba mouvement wana. Bapesi Bena Kabila exemplaire. Balobi bon, bon lukwa bo tia forme ya état. Bo sa la correction, bon lukwa bo tia forme ya état. Parce que constitution toza nango, nous n'avons pas un régime d'état. Forme ya état toza nango ezate. Toza na état fédéral. Tout ça dans l'État républicain, tout ça dans l'État démocratique, tout ça dans l'Ote. Même à temps de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas un État où ils allaient modèle exact. Chers compatriotes, tout ça qu'on kende, tant que chef de l'État est au Kibiloko, d'ailleurs, Bob Kabamba, Azana moi, maman na yaza rwandaise, a changé à coup de nationalité, ba belge ne batindaka et poisson la co-rédaction et la co-projet, y'a qu'on évalue yango. Ça veut dire que projet à rédaction constitution et salamara quelque part. Et pas dans lui, Michel, ba belge. Professeur Samopa et Bissabi, ah, Bisso, ba benga, Bisso kaka, touye, to komi, ba pesi Bisso constitution, ba lobby, botala, somo article, la ou revise, zali botala. To sali amendement, mais ba amendement, on peut to salaka, ba tenaka en quantité, en considération. Te. Et c'est ce qui a fait que, ba yoko zwa constitution na, ba memi en wawa, na assemblée nationale, après commission et salami, qui est un référendum, il est obligé de les Congolais, diman, 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 diman.
de constitution va promulguer en haut. Chers compatriotes, le chef de l'État aujourd'hui va te dire basa kolobaye que olé asil salon makambo nzala. Mais pourquoi yaza ko kenega mbangu makamba constitution? Mais je pense que kotanga ba disposition ya constitution na biso. Ce qu'on t'a dit disposition ya constitution na biso. Ou t'as en haut disposition par disposition, chapitre par chapitre. On peut comprendre que ça n'a pas ramification. Et ça n'a pas bien en haut, complètement. Et ça n'a pas jonction. N'a pas besoin d'un exemple. Sur le article premier, et sur le macambo, il y a unité, n'a indivisibilité. Il y a un bon cannabis. Mais sur le article 9, et sur le macambo, et ça souveraineté. Si on avance pour qu'un article 214, il faut peuple en dima pour pas céder ma belle. Peuple ni na kondima pas céder ma belle na ye pour yatik à la maboko pamba. Ce qui avance pour qu'on on a tout comme l'article 217. Article 217, ezali koloba makambo etali souveraineté na biso, to céder en haut partiellement, to abandonner en haut partiellement pour na ko promouvoir unité africaine ou alors le panafricanisme. Ce qui avance mouke, l'article 219. Au moment où l'article 1, ezolo ma makamboke, ba koki ko revise constitution te pendant que tout ça état de guerre ou état de siège. Mais article 219, eza kolobate keke, to koki ko réfléchir te la possibilité ya ko changer constitution ou ko revise yango pendant l'état de siège. C'est-à-dire, pour to revise constitution en ce moment. Et c'est un chef de l'État, à Salawa Bengaka, ordonnance présidentielle, il y a quoi abroger ordonnance OEP, ça qui possibilité y a quoi tient état de siège. Ba gouverneur militaire, ba quoi, tous ont ici gouvernement, ou ils allient à ba civil. Na mambo quoi ba civil, des provinces, ils ont na mambo quoi civil. Notamment province, il y a Ituri, na province, il y a Nord Kivu. Ba toi, ça, quoi, ba que tous ont un état de guerre. Non, le Congo, nous ne sommes pas dans un état de guerre. Pour que tout comme appelle un état de guerre, il faut chef de l'État à réunir deux chambres. Dans le Congrès, nous avons pris la décision de déclarer état de guerre. Les Congo, nous sommes agressés par un pays voisin. Il y a un moment chef de l'État qui a partout à la dénonciation et l'agression rwandaise. Ce qu'on avance, c'est la constitution. Nous avons dit que c'est le premier ministre qui conduit la politique d'une nation. Et que chaque ministre est le chef de son département. Mais si quoi, ce que chaque ministre a un chef de département, ça veut dire pourquoi on peut s'y aller injonction. Et ce qui premier ministre a conduit politique à la nation, et un chef de l'État, c'est Azali censé écouter sa politique à Mboka. Et dans le conseil des ministres, le président de la République n'a pas présidé le conseil des ministres. Alors, Montazali a coordonné l'action et le gouvernement sur le terrain, et Azali premier ministre. C'est-à-dire en réalité, Moto Azali redevable na makambo tali social ya peuple, ezali premier ministre et non le président de la République. Les chefs de l'État bakayi ko bambaye kombo munene, les garants de bon fonctionnement des institutions de l'État. Mais tant ba oloba bon fonctionnement ko assurer yango, elin ko loba nini. Premier ministre au lieu à coordonner projet peut-être ya ko tonga nzela. Premier ministre bazumbongo wana ya kotonga nzela ba memi yango ba tonga école. Alors le président de la République aza censé ya ko rappeler na premier ministre que mbongo oyo eza ya kotonga école te ezali mbongo ya kotonga nzela. Tolongo wana toke na exemple mususu lokola tozali na agression rwandaise tozui ba gouverneur militaire totie bango soki gouverneur militaire asali mbilinga mbilinga premier ministre aza censé ya ko kende ko yebisa ye que non politique ya chef de l'état makambo etali sécurité eza boete. Le président de la République a ko yebisa na premier ministre a ko kende ko zongisa ye na nzela. Chers compatriotes, c'est-à-dire que constitution oyo toza nango ezali na ba oba bengaka ba irrégularité ebele. E ba irrégularité wana moyen sikoyo peuple azwa satisfaction ya ba besoin na ye ezate. Tant que chef de l'État a coulé kato lo banini, fatita ila biso likambo. Et curieusement, lorsque le chef de l'État a tia ka miso na ye na projet moko ya gouvernement, ezalaka makambo, ezalaka misala moko ekenda kambango. Bon, to lobi ke na babiloko wana nyonso.
ce qui te l'obéit qui te changer constitution ou te réviser constitution to pesa mo konziambo ka possibilité ya kozala redevable pas na peuple mabe ezawa pe cher compatriotes ce qui te l'obéit que to longo la disposition o eza ko sala e que to abandonné ma belle na biso partiellement pour na ko sauvegarder unité africaine mabe ezawa pe ngonga ezangonga mais na ko chité na koloba bo partout chef de l'état za koloba na monite groupe ba congolais baza ko marcher pour na koloba e que ba boyi makamba changement constitution non na moni bangote seulement opposition o baza manipuler ne baza ko sa makelele entre autres ba misusu baza ka pour changement ya constitution na 2018 mais to comme na 2024 6 ans après ye wana aza ko sangisa ba na maropo ngaba ba sale ba benga ka sursaut patriotique mais na kati ya sursaut patriotique wana bazali ko ça la politique ya haine où est le patriotisme donc le président de la république aza soutenu par le peuple congolais na démarche aza ko mener ya changement ya constitution opposition bozwa kimia tango moment yo comme opportun que batie o babinga ka commission en place nde sukoyo bino pe bozwa possibilité ya ko banda ko sala manœuvre muta ko sala présidence ya vie azate muta ko sala troisième mandat azate le chef de l'état c'est un démocrate il va respecter la constitution na pesi mbote na ngai na bisika nyonso bozwami na pesi mbote na ngai penza penza mingi et pas na mama na ngai Dipo Esabe wazali présidente bongo ya Congo innovation sociale na pesi mbote bisika azali kolo nzambe apambola bino de tokutani bongo à la prochaine DJ Stéphane Bala Mwangi Congo ya Lumumba Congo na fachi beton tangwe koki oyo yo tangwa ngoya ngoyo ekoki tolanda kango papa Stéphane Bala Mwangi oyeye oh, yeah, yeah.